l'histoire d'une petite fille qui, dans la danse, va trouver un sens à sa vie. Parce que c'est une petite fille orpheline et qui rêve de danser du fin fond de son orphelinat, d'où elle va s'échapper avec son ami d'enfance qui, lui, rêve de devenir inventeur. Donc, on est un peu au pays des rêves, mais aussi au pays de la réalité, parce que, malgré tout, à la base de la danse, il y a forcément un rêve. Donc, Félicie, qui est l'héroïne, a tous les courages pour s'entraîner, pour travailler, pour lutter contre l'adversité. Et au fond, c'est un très beau personnage de danseuse et aussi d'héroïne, de roman. Parce que la danse, pour moi, c'est la vie. C'est la même chose, au fond. C'est imposer ses idées, imposer son talent, essayer d'arriver à quelque chose qui vous dépasse, quoi. Au fond, c'est ça. Et la danse est un peu une métaphore de la vie pour moi. Ballerina, c'est tiré d'un film. Donc, j'ai fait l'adaptation du film. Ce n'est pas mon histoire, c'est-à-dire que j'ai suivi le scénario. Mais c'est vrai que la série danse, ça, c'est complètement tiré de mes souvenirs, quoi, au fond. J'ai rencontré le producteur du film parce que je lui avais apporté la série danse avec l'espoir qu'il allait en faire un film ou une série pour la télé, quelque chose. Et il était déjà sur le dessin animé. Donc, évidemment, ça ne pouvait pas l'intéresser. Mais au fond, comme il avait eu connaissance de la série danse, il a pensé que je pouvais faire une bonne adaptation de son film, finalement.